Au revoir à LCM pour une entrevue suivie. C'est quoi le principe de voter? On peut voter juste une fois par jour, mais c'est important de le faire. Je peux pas appeler l'ascenseur 10 fois, mais je peux l'appeler une fois par jour. Faut en mettre beaucoup, hein, parce que... C'est à cause d'un accident dans un cirque, hein. il y avait un éléphant, un lion, puis ils ont gagné sur la rampe. Je voudrais juste dire que ça a pris une petite seconde pour me maquiller parce que, comprenez-vous, quand t'es grillé, là, t'es grillé. Ça a pris 15-20 minutes. Ah, 15-20 minutes, tellement ça finissait plus. Vas-y, Patrick. Non, je veux pas y aller maintenant, ça va être trop gêné. Vas-y. Non, je veux pas y aller, j'ai une boule de quille dans le derrière, je veux pas y aller. Brigitte, ce matin, on va parler d'un concours assez particulier. Je fais mon épicerie, j'ai vu le sac l'autre fois avec le point d'interrogation. Un sac où on demande aux gens, avec la compagnie Doritos, bien sûr, de trouver un nouveau concept de croustille, une nouvelle saveur, idée de pub, pourquoi pas. Alors, c'est un concours canadien et il y a deux Québécois qui sont illustrés dans ce concours-là. C'est pas tout à fait fini, mais disons qu'ils sont sur la bonne voie. On accueille ce matin Patrice Paquin, Laurent Sarquet. Bonjour. Alors, messieurs, expliquez-nous un petit peu c'est quoi le concept. Il fallait trouver une nouvelle saveur, inventer quelque chose de nouveau, c'est ça? Ah ben, c'est ça. Alors, Doritos demandait aux Canadiens de trouver une nouvelle saveur à leur sac mystère et de créer une publicité de 30 secondes. Alors, Laurence puis moi, on a embarqué dans ce projet-là complètement parce que ma femme m'avait demandé d'y participer. Alors, okay. On a joué... Simplement pour ça. Oui, oui. Évidemment, quand on s'est mis à le faire pour de vrai puis qu'on prenait beaucoup de temps, évidemment, elle s'est dit, bon, vous perdez votre temps. Là, je trouvais ça beaucoup moins drôle. Ça moins drôle. Et puis là, maintenant, évidemment, puisqu'on est rendu dans les top 5 finalistes, là, elle est avec nous puis elle supporte le vote. Bien là, on va la regarder, probablement, savoir de quoi on parle. Alors ça, c'est votre pub pour la nouvelle saveur que vous avez vous-même choisie. On regarde ça. Paraître ta bande envahit le territoire. On le sait que tu fais partie de la famille des Doritos. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle saveur vous cacher. On a intérêt à collaborer. Mon collègue pourrait s'impatienter. Laisse-moi juste 3 minutes avec. Non! Rappelle-toi ce qu'ils ont fait à ton frère! La plus nouvelle saveur Doritos piment secret. Saurez-vous garder votre langue? Je suis tellement comédien. T'es tellement bon comédien, Patrice. Incroyable. Il y a de l'avenir, là. C'est extraordinaire. Okay. Budget de combien, les gars, ça? Environ, je dirais, 75 $. Et un sac de chips. 75 $. Juste pour dire qu'on a loué deux spots pour faire l'éclairage. Des quinoas, je sais pas si les gens connaissent ça, mais oui. Fait que là, vous trouvez dans le top 5, il y avait combien de finalistes au départ, partout au Canada? 2100 clips qui ont été uploadés sur les sites de Doritos. Et puis là, c'est ça, 5, on est dans les 5 finalistes. Et pour gagner ce concours-là, dont le montant pour le gagnant est de 25 000 $ et 1% des recettes de cette serveur-là, qui représente à peu près 80 000 $. Donc, Et donc, on parle de 100 000 $ pour le gagnant et on peut voter pour le clip L'interrogatoire qui est disponible sur le site internet gourudoritos.ca. On voit le site web là, présentement à l'écran. Alors, on clique sur gourudoritos.com. On va voir sur le clip qui s'appelle L'emmerdeur. Hein, non, c'est non. Ça? L'interrogatoire. Laurence, tu l'aurais dit un autre dîner. Et là, c'est pas un jury, ce sont vraiment les gens qui décident. Oui, c'est ça. À partir de maintenant, c'est ça. C'est on a besoin des Québécois. Votez pour nous. Êtes-vous les seuls Québécois? Oui, les seuls Québécois francophones. Il faut voter massivement. C'est la seule façon de gagner ce concours-là, s'il vous plaît. Mais l'idée pour l'interrogatoire est venue comment? C'est le concept? Alors, bien évidemment, le concept, c'est ce concept. J'ai eu le Chief Wiggum dans l'émission Les Simpsons. Il y a demandé, il y a le piment du Guatemala qui donne l'insanité, là. Alors, je me souvenais de ce piment-là. Puis là, j'ai eu une autre image de Indiana Jones qui, à la fin du film, trouve le piment dans les fins fonds de la forêt péruvienne. Fait que c'est un peu... Ce qu'on voit, c'est un peu le début de l'histoire, là, où ces deux enquêteurs-là cherchent à trouver le piment secret... Donc, c'est une publicité à suivre, hein? Fait que les gens ont jusqu'à quand pour voter? Jusqu'à dimanche. Dimanche soir, minuit, journée. C'est on très peut voter important. Une fois par jour, ça prend 2 petites secondes s'inscrire. Mm-hmm. Bien sûr, aller voir les 5 clips en compétition, mais...
Mais votez pour nous! Fait que là, en regardant peut-être votre pub, encore une fois, ça vous on montre quand même que vous avez un... Toi, Laurence, oui, on le sait, tu es comédien, mais toi, Patrice, on voit quand même qu'il y a du potentiel là, dans le rôle d'un policier comme ça. Puis c'est le miracle de la reprise, vous savez. On va la reprendre. Puis Laurence m'a dirigé un peu sur ce... Sur ce plan-là. Juste un peu. C'est le réalisateur, c'est ça. Et le grand verdict, la grande réponse, c'est pour quand exactement? Alors, c'est le 1er mai sur les ondes de Much Music à l'émission Much On Demand qui va être diffusée de 5h à 6h le 1er mai. Alors, c'est là que vous allez me voir m'évanouir en ondes. Si je gagne, bien sûr. Ou donc, m'effondrer en pleurs. Non, je pleurais pas, voyons. Je suis un bon gagnant. Je suis un bon perdant aussi. Ben écoutez, Patrice Paquin, Laurent Sarcotte, on vous souhaite bonne chance. www.gourouderitos.com, on peut aller voter. On vous souhaite bonne chance. Merci. Et si vous gagnez, ben, vous allez revenir nous en parler certains. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Pour le moment, on se croise les doigts, le fameux... Il a mis ses lunettes. OK, fait que ça, c'était notre performance qu'on fait. Performance, c'est bon mot. Performance, on fait. J'avais pas la bouche pâteuse, pas en tout. Non. Ça me paraissait pas. C'est comme avoir du beurre de pinot. C'est super élégant. Là, j'ai toujours, en ce moment, j'ai toujours une boule de quille dans le derrière. Je peux pas croire que tu viens de dire ça à la télévision. Non! Ça y est, Patrice, on n'a plus le temps de vous parler parce qu'on s'en va à Radio-Canada. Les bitches!